testé plein de types d'images. Des choses totalement abstraites ou qui n'ont pas l'air, qui ont l'air presque documentaires. Et là, la spécificité de cette résidence, c'était de chercher des images autour de l'ombre sur l'affaire Landru. Et voilà, on en est là. On était venu ici, on n'avait pas d'idée de ce qu'on allait trouver, enfin on savait pas si tout ça allait fonctionner en fait. On était là un peu de façon un peu scientifique, quoi, pour cocher des cases et se rendre compte si notre histoire elle allait pouvoir tenir la route techniquement. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir produire avec ça. C'est incroyable, cette énergie. Des moyens de transport, des vaisseaux spatiaux. Ça s'écrit TSH, c'est un texte dont je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va devenir. Donc vous êtes vraiment au début de quelque chose. Une particule qui dépasse la vitesse de la lumière émet une lumière intense de couleur bleue. La couleur bleue dans la piscine des centrales nucléaires est due à l'effet de Cherenkov. Les galaxies, elles ont quelque chose avec la sociabilité. C'est-à-dire qu'elles sont très sociables. Par exemple, imaginez-vous que en fait, toutes les galaxies, elles sont dans un dancing, parce qu'en fait, les galaxies dansent, elles tournent sur elles-mêmes. Et en fait, quand elles croisent quelqu'un d'autre qui danse, elles dansent avec lui directement, sans se poser de questions. Bon, moi, si vous me mettez dans un dancing et les gens dansent, d'abord, je vais me coller au mur pour regarder comment ça se passe, et sans doute que je ne vais pas danser. Il y avait quelque chose comme ça qu'on avait envie d'essayer. Et là, finalement, je m'étais dit, est-ce que c'est pas plutôt justement à Brian et Noël de prendre la parole avant ? Ah bah, attends, on peut reprendre parce qu'on est sur une fausse piste. Là. Forcément, quand on voit un homme sortir,
on pense à sa libération et aussi à sa renaissance, en tout cas symbolique. Il faut du courage pour laisser sortir, il faut du courage pour voir ce qui se passe quand on se lâche. Ça flotte, rien n'est certain. Il y a beaucoup de questions quand quelque chose commence et ça peut être très inconfortable. Ça peut être aussi un super moment pour apprendre beaucoup de choses sur soi-même. Alors ça, ce serait peut-être un univers intéressant pour la descente sous-marine. Et je vais aller dans l'espace, mais peut-être vous pouvez... quelqu'un va aller dans l'espace ou pas ? Omar Garry, Claire de Femme, Gerasim Luca, Héros Limite, William Shakespeare, Roméo et Juliette, André Breton, L'amour fou, Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, Georges Perec, Les choses, André Gide, Les nourritures terrestres. Les mots qui contiennent la lettre X ont quelque chose qui nous attire immédiatement. Mexico est le mot le plus X qui soit. Je suppose que sexe vient juste après. En 2017, je me marie avec l'amoureux. Christiane Taubira est mon idole. Ce mariage est libre, il est politique, il fait chaud, on est bien. Et là, donc, on a mis des éléments d'histoire, donc la vue aérienne, c'est génial de voir ça. Hein. Donc vous allez pouvoir la traverser et en la traversant, vous allez pouvoir aussi voir des images de cette histoire et puis accompagné d'images de ponts mythiques dont je vous parlais tout à l'heure, les textes que nous avons lus sur les ponts mythiques. Évidemment, on a vécu ensemble aussi, on a fait le café, on a mangé ensemble, et ce qui était très important, parce que, évidemment, on n'est pas que dans de la réflexion ou de la... En gros, une bande d'intello qui réfléchissent, on est aussi dans la vie et de se connaître aussi en faisant autre chose que de parler. C'est vrai. Avec les tailleurs, je vais pas comprendre du tout. Vous êtes toujours sur Beau. Ouais. Ouais. Amande, cannelle. Amande. Cannelle. Cannelle, c'est 2 N. Ouais, 2 N. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce que t'as fait aujourd'hui, c'est orange. Il y a quoi dans le truc à l'orange déjà? Un peu de l'orange.